Nous allons voir ensemble les différentes étapes du triathlon et du matériel nécessaire. La spécificité du triathlon est l'enchaînement de trois disciplines. Il y a donc un départ natation, deux transitions natation vélo et vélo course à pied et une arrivée en course à pied. Avant le départ, il faut avoir anticipé toutes les étapes de votre triathlon en entier et préparer votre matériel. Soyez bien concentrés pour n'en oublier aucune. Les transitions sont des passages assez techniques qu'il faut avoir travaillé à l'entraînement pour ne pas perdre trop de temps et d'énergie le jour de la course. Sur la ligne de départ, vous devez avoir enfilé votre trifonction, votre combinaison, votre puce électronique, votre bonnet, vos lunettes de natation, votre montre sous la manche de la combinaison néoprène pour faciliter son enlèvement. Vous pouvez mettre de la crème anti-frottement dans le cou pour éviter les irritations. Vous devez aussi avoir préparé tout votre matériel à votre emplacement dans l'aire de transition. Lors de la transition natation-vélo, le passage de la position horizontale à verticale peut être déstabilisante. Il faut commencer à enlever le haut de sa combinaison néoprène tout de suite après la sortie de l'eau. Tirez le zip puis la déroulez petit à petit. Il est préférable de vous entraîner chez vous à enlever entièrement la combinaison. Le passage des chevilles est souvent le plus compliqué et peut être facilité avec de la crème anti-frottement. Le trajet de la sortie d'eau jusqu'à votre emplacement peut être long et difficile. Il est important de bien le reconnaître lors des dépôts de votre vélo. Identifiez votre emplacement avec un point de repère, comme un arbre ou un poteau, pour le localiser plus facilement pendant la course. Déposez votre combinaison, enfilez vos chaussettes, vos chaussures vélo, votre casque, vos lunettes et votre ceinture porte-dossard. Vos produits énergétiques ont déjà été placés avant le départ dans la poche arrière de votre trifonction ou sur la sacoche de votre vélo. Poussez votre vélo dans l'aire de transition. Attention à ne pas monter dessus avant d'avoir franchi la ligne de sortie du parc à vélo. Lors de la deuxième transition, attention, vous devrez descendre du vélo avant la ligne d'entrée du parc à vélo. Rejoignez votre emplacement, déposez votre vélo, puis seulement après, commencez à vous déséquiper. Enfilez vos chaussures course à pied, prenez éventuellement votre casquette et votre gel énergétique. Il est normal de ressentir les courbatures dues à l'effort vélo durant les premières minutes de course à pied. Il ne vous reste qu'à courir et à savourer le passage de la ligne d'arrivée.